Cela? Ça va français. Français, c'est le meilleur au monde. British, British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Aïe, vas. I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yaël et je vous présente le 6e épisode de Falafel Cinéma. Vous le connaissez peut-être, la série qu'il a coécrite avec son partenaire d'écriture Avi Issacharoff a été classée par le New York Times numéro 8 parmi les 30 meilleures séries au monde. Vous avez deviné ? Eh bien oui, c'est Faouda. Faouda qui veut dire le chaos, qui est une série disponible sur Netflix. Et lui, eh bien c'est Lior Raz. Oui, aujourd'hui je vais vous parler de Lior Raz. Alors, quel a été son parcours et comment en est-il venu à écrire cette série? Eh bien, c'est une longue et tumultueuse histoire que la sienne. Ce podcast sera ponctué d'extraits de la musique de Faouda, différents morceaux de différents épisodes et sur différentes couleurs et thématiques. Je vous propose d'en écouter un bref extrait. C'est un extrait de la musique de Faouda composée par Gilad Ben-Amram qui a composé la musique des Trois Saisons. Lior Raz est né le 24 novembre 1971 et grandit à Mahalé Adumim, en Cisjordanie, dans la banlieue est de Jérusalem. Son père, contraint de fuir l'Irak parce que juif, a fondé près de cette cité dortoir construite en territoire palestinien une exploitation agricole. Sa mère, d'origine algérienne, y a commencé comme assistante dans un cabinet d'avocats avant de devenir enseignante. À la maison, on parle arabe plus que l'hébreu. Et après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, sa connaissance de l'arabe le conduit à intégrer un bataillon d'élite au sein de l'armée, l'unité d'Oufdevan. Cette entité est dédiée à la lutte antiterroriste et ses membres sont amenés à se fondre dans la population palestinienne sous fausse identité pour y intervenir clandestinement. Cette expérience va le marquer profondément puisqu'il en parle encore aujourd'hui. D'autant plus que pendant son service, sa petite amie de l'époque, Iris Azoulay, est assassinée en octobre 1990. Il lui rendra d'ailleurs hommage à la fin d'un épisode de la première saison de Faouda. Il déclare « La relation entre le personnage de Boaz, avec qui j'entretiens une très grande proximité, et celui de sa fiancée Daria, dans les premiers épisodes, est nourrie de l'expérience que j'ai vécue avec Iris », déclare Lior, qui confie avoir fait porter à ses personnages des objets personnels pendant le tournage. Le terroriste qui a assassiné sa fiancée sera relâché de prison en 2011, lorsque 1027 prisonniers sont relâchés pour obtenir la libération de Gilad Shalit, kidnappé et retenu en captivité par le Hamas durant 5 années. En 1993, alors qu'il a fini son service militaire, il part à Los Angeles avec seulement $125 en poche et travaille comme garde du corps d'Arnold Schwarzenegger. Il raconte « Une compagnie américaine dirigée par des Israéliens est venue vers moi puisqu'il connaissait mes antécédents militaires. Pour moi, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus glamour d'être le chien de garde de Schwarzenegger et de sa femme. Il sera, quelque temps, garde du corps de Natasha Kinski ou encore Maria Shriver. Ce passage n'est pas le plus intéressant de ma vie, a-t-il déclaré. Mais en fait, c'est là que naît sa vocation de comédien.
De retour en Israël, 2 ans plus tard, il s'inscrit à l'école d'art dramatique Nissan Native à Tel Aviv et joue le soir de la musique dans les bars pour financer ses études. Le jour, il se confronte avec le répertoire classique au théâtre comme Don Juan et Macbeth et décroche des petits rôles dans diverses séries. Il dit qu'on lui proposait souvent des rôles de militaire ou de policier. Mais si vous avez vu Lioras, vous voyez comme moi qu'il a vraiment le physique pour ça. Comme il a peur de ne jamais percer, il se met à réaliser des publicités, des films institutionnels. En 2011, il joue le rôle d'un commandant d'unité de police dans le film policier de Nadav Lapid et en tant qu'Azael dans une série policière qui s'appelle « Les enfants du Premier ministre ». Il joue d'ailleurs aux côtés de Rami Eberger, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous ai parlé de lui la semaine dernière et il a joué dans la liste de Schindler. Lior Raz effectue régulièrement des périodes de réserve au sein de l'armée, comme tous les soldats israéliens, et il retrouve au cours d'une opération en Cisjordanie, au début des années 2010, son ami d'enfance Avi Issacharoff. Avi Issacharoff est devenu, lui, entre-temps, journaliste. Et les deux hommes ne tardent pas à imaginer une série inspirée de ce qu'ils ont vécu. L'écriture du feuilleton durera plus de 2 ans. Nous ne voulions pas d'un récit caricatural avec des bons d'un côté et des méchants de l'autre, mais plutôt ouvrir une fenêtre sur un monde qui nous est proche et pourtant méconnu. Cela donnera la série Faouda, qui veut dire le chaos en arabe. La diffusion de la première saison de 12 épisodes tournée pendant les affrontements israélo-palestiniens de l'été 2014 dans la ville arabe de Kfar Qassim commence le 15 février 2015 et le succès est immédiat. Je vous propose d'en écouter un extrait. Vous venez d'écouter un extrait de la musique de Faouda composée par Gilad Ben-Amram, dont le thème était Kabylio. Alors, Faouda, bon, c'est bien beau, mais de quoi ça parle ? Le scénario raconte de manière parallèle le quotidien des forces spéciales israéliennes, leur entourage familial et amical, mais aussi celui des mouvements militaires palestiniens et les relations complexes qu'ils entretiennent avec les autorités de Cisjordanie et de Gaza. Lior Raz y incarne Doron, commandant d'une unité Mitzah Harvim, rappelé 2 ans après avoir tenté d'éliminer un terroriste. Tourné en hébreu et en arabe, donnant à voir la complexité de la situation locale sans céder au manichéisme, la série s'exporte très vite et collectionne les prix. La première saison est diffusée dès février 2015 et la deuxième saison dès décembre 2017 sur la chaîne câblée israélienne Yes. La série reçoit le FIPA d'or en 2016 du meilleur scénario original et 6 prix Ophir en 2016, dont celui de la meilleure série dramatique, décerné par l'Académie israélienne du cinéma et de la télévision. En 2018, pour la deuxième saison, elle remporte 11 prix Ophir, dont celui de la meilleure série dramatique, meilleure réalisation pour Rotem Shamir et meilleur acteur pour Lior Raz. Elle est d'ailleurs saluée par Steven Spielberg et Stephen King, puis achetée par Netflix fin 2016 pour une diffusion à l'international. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait de la musique de Faouda. بس احط راسي عليكي احس بنفسك واهدى واخيرا شويه هدوء في كل هاي المهمة منسيم لمصو مكلات العائلة كل زمان ليدا منسيم زرك اني بامخونيت الليلة كاليوت بودي מנסים למצוא מקלט הלילה כל זמן להיות שקט
מדי פעם מדמיין את המואזין באוזן ממלמל יאללה פוטנום חביבי פוטנום אחוי בוקרה רח יקון עמי בוקרה שמס תשרוק ולכם הערב ולעולם שדיד מרוח יאללה פוטנום חביבי פוטנום אחוי בוקרה רח יקון עמי בוקרה שמס תשרוק ולכם הערב ולעולם שדיד מרוח מנסים לגזור מסתור אבל חושך כולם כאלו מוארים עוד יש בי כעס הוא לא מניח לי לישון דוגר בפנים כל החיים ואם תסתק לי קרוב הלילה חרך לי כל פינה בלב אז כשרע לי כן אני לך גם עד כדי כך אני אוהב יאללה פוטנום חביבי פוטנום אחוי בוקרה חיכון עמי בוקרה שמס תשרוק ולכם המיירו ולעלם שדיד מנרוך יאללה פוטנום חביבי פוטנום אחוי בוקרה חיכון עמי בוקרה שמס תשרוק ולכם המיירו ולעלם שדיד מנרוך Vous venez d'entendre un extrait de la musique de Faouda, composée par Edan Hamedi, avec au début on entendait un petit peu la voix de Lioraz. Alors ce que je viens de découvrir, et que je ne savais pas, même si je savais que oui, Edan Hamedi jouait dans Faouda le rôle de Sagui, eh bien il compose également de la musique, il chante, et il est également un champion d'Israël de taekwondo, voilà. Donc clairement, il a vraiment tous les talents. Il joue dans les trois saisons de la série Faouda, le rôle d'un agent infiltré dans l'équipe de Doron, joué par Lior Raz. La série Faouda est diffusée dans 190 pays. Il déclare « Nous qui avions tant de mal à trouver un diffuseur en Israël, nous avons été les premiers surpris par cet engouement planétaire, y compris dans les pays arabes. En effet, la série a longtemps été refusée, jugée trop politique et trop violente. » Avi Issacharoff, son co-auteur, indique que plutôt de vouloir changer le public israélien, les auteurs ont voulu ouvrir une fenêtre sur un monde que les gens ne connaissent pas. Bien entendu, cette série a été très critiquée, d'aucuns ont même tenté de la boycotter. En réponse, 50 cadres d'Hollywood ont signé une lettre de soutien à Netflix en indiquant que la série donnait une représentation nuancée des problèmes liés au conflit israélo-palestinien et soulever des conversations difficiles mais importantes en élargissant nos horizons et en nous permettant d'expérimenter des points de vue différents. Dont acte. Selon Yael Ben Moshe, universitaire israélienne spécialiste des médias, la série, grâce à son réalisme, suscite en fait la curiosité du public en rappelant des situations vécues mais dont on ne parle pas. « Presque tous les Israéliens font l'armée », déclare-t-elle. « Certains peuvent donc se retrouver dans des épisodes et s'identifier aux personnages. D'ailleurs, c'est bien pour cela que ce type de fiction ne deviendra jamais un divertissement. Elle colle trop au réel. » Plusieurs projets de remakes seraient à l'étude, dont le plus avancé se déroulerait en Irlande, où l'histoire serait transposée pour évoquer la guerre qui a opposé catholiques et protestants pendant plus de 8 décennies. Je vous propose de faire une petite pause musicale en écoutant un nouvel extrait de la musique de cette série Faouda.
C'était un extrait de la musique composée par Gilad Ben-Amram, cette fois, dont la thématique était Son of Cher, donc d'un épisode de Faouda. La première saison est tournée pour les deux tiers en arabe dans le village de Kfar Qassim, pendant l'opération Bordure Protectrice de l'été 2014, et jouée par des acteurs israéliens, juifs et arabes. Dans la saison 2, lors de la promotion des inscriptions en arabe comme « Accrochez-vous » où l'action commence bientôt, sur de grandes affiches noires sont placardées en décembre 2017 dans plusieurs villes d'Israël et donnent lieu à de nombreuses plaintes de personnes se sentant menacées. Si la polémique a rapidement été dissipée, elle montre que les gens sont de plus en plus racistes et paniqués rien qu'en voyant des mots écrits en arabe, déclare Avi Issacharoff. Il reconnaît néanmoins que pour la série, ce fut la meilleure publicité jamais imaginée. Dans cette saison, Doron, joué par Lior Raz, découvre avec inquiétude que son père, qui travaille quotidiennement avec les Bédouins et vit avec eux dans le désert, est menacé de mort. Un scénario qui emprunte, là encore, à la biographie de son auteur. Le père de Lior Raz, en effet, après avoir effectué son service militaire au sein des services de sécurité intérieure au Shin Bet, a toujours travaillé avec des Palestiniens au sein de la pépinière qu'il a créée. Dans la saison 3, encore plus sombre que les précédentes, Gaza tient le rôle principal. Le territoire palestinien est l'objet de toutes les attentions de Doron et son équipe, alors même que leur vie personnelle ne tienne plus qu'à un fil quand elles n'ont pas explosé en chemin. Lior Raz voulait montrer que quand on fait la guerre, on perd tout, quel que soit le camp. Son but a toujours été de raconter cette histoire. Le succès est pour lui la plus grande des surprises, déclare Laetitia Dido au Times of Israel. Elle ajoute « On a tous mis une partie de nous-mêmes dans les personnages. Beaucoup d'acteurs ont un jour fait partie d'unités de combat israéliennes. Les acteurs arabes israéliens qui jouent les Palestiniens ont apporté beaucoup de leur expérience de vie. Moi, j'y ai mis ma culture mixte franco-libanaise », souligne la comédienne. « Les gens se reconnaissent dans les personnages et c'est ce qui fait la force du show. » Laetitia Dido joue le rôle du docteur Shirin Al-Abed, un médecin qui travaille dans les territoires et qui rencontrera Doron dans la série. Je ne spoil rien. Je vous propose d'écouter une thématique composée sur leur rencontre. C'était un extrait de la musique envoûtante de Gilad Ben-Amram, donc le thème de la rencontre du docteur Shirin et de Doron. Alors, je vous ai parlé de Lior Raz, mais qui est le co-auteur de Faouda et son ami, Avi Issacharoff? Eh bien, Avi Issacharoff est né à Jérusalem en 1973. C'est un journaliste israélien, spécialiste des affaires arabes et palestiniennes, et il est également documentariste.
Il parle arabe couramment et intègre lui aussi l'unité d'élite de l'armée israélienne d'Ovdevan. Après des études littéraires, il devient correspondant aux affaires du Moyen-Orient pour la radio israélienne et remporte le prix du meilleur reporter en 2002 pour sa couverture de la seconde intifada. En 2004, il coécrit avec Amos Harel « La septième guerre, comment nous avons gagné et pourquoi nous avons perdu la guerre avec les Palestiniens », un livre sur la deuxième intifada. En 2008, ils écrivent un second livre, « 34 jours, Israël, le Hezbollah et la guerre au Liban », sur la guerre de 2006. Et de 2005 à 2012, il est correspondant aux affaires palestiniennes et arabes pour le journal israélien Haaretz. Il écrit et réalise des courts-métrages documentaires diffusés à la télévision et en Israël. Il est ensuite correspondant pour The Times of Israel et du portail d'information Walla. En 2014, Avi Issacharoff et un caméraman sont attaqués et battus par des émeutiers palestiniens masqués alors qu'ils couvrent une manifestation de protestation près de Ramallah. Selon le récit d'Avi Issacharoff, les deux ont été choisis après qu'un journaliste palestinien les a montrés du doigt à la foule comme étant des Israéliens. Ils souhaitent témoigner de cette expérience et c'est alors qu'ils retrouvent Lié Oraz et coécrit le scénario de la série télévisée Faouda. Il déclare « Le genre dramatique vous permet de donner une dimension que le journalisme n'est pas capable de faire. Vous ne pouvez vous plonger dans les personnages, dans leur vie, ni comprendre leurs décisions, comprendre pourquoi ils ont changé d'avis, quelles relations ils ont avec leurs femmes, leurs enfants, leur mère, leur père. C'est pour cela que c'est génial de faire les deux à la fois. C'est génial de se plonger dans la peau des personnages, à la fois chez un soldat infiltré et chez le fils d'un terroriste. » Lié Oraz a réfléchi à l'impact profond que son service militaire a eu sur lui en particulier en ce qui concerne son stress post-traumatique. Il déclare « Tout est resté là et au fond de nous. En tant que personne, vous finissez par vous réveiller et vous découvrez que vous souffrez d'un trouble de stress post-traumatique. Vous vous rendez compte que vous êtes tout le temps tendu, stressé, que vous ne dormez pas, que vous êtes sur les nerfs, toujours en alerte. L'autre jour, je donnais une conférence dans une entreprise de haute technologie et j'ai cliqué sur le bouton pour voir un extrait de film sur Faouda et le son de l'émission, les coups de feu, m'a fait perdre conscience. J'étais soudainement très stressée, j'ai immédiatement cherché la porte. Nous vivons dans une société post-traumatique, nous tous. » En 2018, Lié Oraz joue le rôle de Isser Harel, le directeur du Mossad qui a dirigé la capture du nazi Adolf Eichmann dans le film « Opération finale » réalisé par Chris Weitz. Je vous propose d'en écouter un extrait. « You have no interest in what I have to say. Unless it confirms what you think you already know. My job was simple. Save the country I love from being destroyed. Is your job any different? I have a lead on the great enemy of our people. Adolf Eichmann. The architect of the final solution? The trail went cold in 46. Latest intelligence suggests Buenos Aires. This guy convinced rabbis to load the trains themselves, and not by force. If it is him, we need an elite crew. I'm not joining your hit squad. I would happily put a bullet in between his eyes, but that's not what we're doing here. This is strictly catch and extract. Eichmann will stand trial here in Israel. Think what it means. Finally, publicly, holding to account the man who organized our slaughter. Our memory reaches back through recorded history. The book of memory still lies open. And you, here now, are the hand that holds the pen. If you succeed, for the first time in our history, we will judge our executioner. And we will warn off any who may wish to follow his example. If
you fail, he escapes justice. Perhaps forever. I beg you, do not fail. Vous venez d'entendre un extrait du film Opération Finale, réalisé par Chris Weisz en 2018, dans lequel jouait Liora Raz aux côtés d'Oscar Isaac, Ben Kingsley et Mélanie Laurent. Puis il joue dans Six Underground, un film de Michael Bay où il incarne un dictateur. Il joue aux côtés de Ryan Reynolds et Mélanie Laurent. Le sujet, un mystérieux milliardaire est à la tête d'une unité d'élite secrète composée de lui-même, de 5 autres personnes qui ont toutes simulé leur propre mort. Et ces fantômes ont pour mission d'éliminer les plus puissants criminels et dictateurs dans le monde. Je vous propose d'écouter un extrait de la musique de Six Underground, film de Michael Bay donc, que vous pouvez voir sur Netflix si vous êtes abonné à cette plateforme. Pour terminer avec un petit peu de légèreté ce podcast, à la thématique quand même un petit peu lourde, j'ai choisi un extrait de la musique du film de Michael Bay, donc Six Underground, composé par Tim Oliver, dont le titre était Supermarket Bossa. Alors, quels sont les projets de Lio Raz et Avi Sacharoff? Apparemment, ils travailleraient sur une série dramatique pour Netflix qui s'appelle Hit and Run, avec deux autres showrunners américains, Don Presswich et Nicole Yerkin. Ce feuilleton, dont la première saison comptera 10 épisodes, empruntera à nouveau au registre de l'espionnage. Il racontera l'histoire d'un homme marié dont l'existence bascule le jour où sa femme est tuée, officiellement de manière accidentelle, alors que c'est en réalité un assassinat. Il devrait jouer aux côtés de Sanaa Lathan. En même temps, il travaillerait à une comédie de type Sex and the City, basée sur le scénario de la bloqueuse new-yorkaise Sarah Rosen. Mais qu'en est-il de Fauda? Les deux auteurs ont annoncé qu'une quatrième saison de Fauda était en préparation. Ils ont fait cette annonce lors d'une projection sous-titrée en anglais des deux premiers épisodes de la dernière saison au musée d'art de Tel Aviv. Ils déclarent: nous avons beaucoup de volonté et nous sommes finalement devenus des conteurs. Nous avons beaucoup à raconter depuis Israël et depuis l'extérieur d'Israël et nous essayons de porter cela à l'écran.
Ce sera donc ce joli mot de la fin, puisqu'on reste dans la belle thématique des histoires. Je vous remercie d'avoir écouté Falafel Cinéma, donc le 6e épisode, le podcast du cinéma israélien. Vous pouvez me retrouver également sur le blog Movie in the Air et vous abonner au newsletter. Je mettrai toutes les informations dans la description du podcast, ainsi que les sources qui m'ont servi à le préparer. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont écrit sur cette série. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. Rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. Shalom, shalom. Special for you to remember Israel.